Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous commençons cette émission avec une très bonne nouvelle. Tout Mauricien qui travaille à plein temps à partir de janvier peut gagner droit à un salaire minimum de 8140 roupies, un revenu mensuel de 9000 roupies. Nous pouvons sur tout cela tout au long de l'émission. Nous pouvons aussi cause sur un changement majeur, le paiement de la pension qui peut collecter par la MRA, la Mauritius Revenue Authority. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous peut accueillir sur le plateau de Mouvement ce soir Danraj Ramdin, directeur des opérations de la MRA. Bonsoir, M. Ramdin. Bonsoir. Beaucoup de travail bonsoir à la MRA. Ce n'est pas la saison, là. Oui, mais quand même, nous avons une nouvelle fonction qui est inattribuée à la MRA, alors nous avons toujours beaucoup à faire. Et aussi avec nous sur le plateau, Herbert Jouan, assistant directeur au ministère du Travail. M. Jouan, beaucoup de travail aussi actuellement pour... Ah oui, bonsoir. Il y a beaucoup de travail, certainement, surtout avec l'application Minimum Wage, qui nous a assuré que la loi respecte, donc il y a beaucoup de travail pour le moment. Et aussi Sahib Jalim, Principal Social Security Officer au ministère de la Sécurité sociale. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Donc, un début d'année riche en événements, beaucoup de pluie, mais aussi beaucoup de changements. À partir du 1er janvier, ban employeur, votre bizin paye la pension à la MRA. Longtemps, tu peux faire ça au ministère de la Sécurité sociale. Ouais. Donc, cause-nous un peu sur cela, monsieur Jalim. Bon. Avant, il nous explique le changement et Libon qui m'a introduit le concept de ce qu'il nous appelle le National Pension Scheme et le National Savings Fund. Le National Pension Scheme, c'est un pilier du welfare state qu'il met en place pour le bien-être de la population. Le National Pension Scheme, il a deux parties. La partie non contributive et la partie contributive. La partie non contributive, nous avons introduit en décembre 1976 et il concerne le paiement de pension de base. Et le paiement de pension de base est universel, et c'est-à-dire nous payons un means test law. Ça veut dire que si une personne fait une demande, nous ne pouvons pas enquêter le son revenu, le son moyen. Alors, un exemple de pension de base, c'est la pension de retraite, la pension de veuve, la pension d'invalide, la pension d'orphelin et aussi une ben allocation pour les enfants qui sont en bas âge. Et dit bon qui me fait ressortir que sa pension de base là est financée entièrement par l'État. La partie contributive, c'est-à-dire chaque dimoun qui contribuait, chaque employeur oui, est employé. Oui. La partie contributive, ça nous aussi appelé une assurance sociale, qui t'y introduit en juillet 1978. Là, d'après ce plan-là, employés, employeurs, principalement du secteur privé et ben gens de maison, ont contribué au plan national de pension d'après un barème qui est établi dans le National Pension Act. Et me faire ressortir que ça, c'est obligatoire. Allez, nous revenons là un peu plus tard. Ouais. Donc, au capable de nous c'est sa plan de pension qui peut causer là, les couper dans salaire, fiche de paye de chaque employé, surtout du secteur privé. Secteur privé et gens de maison. Ouais. Et qui fait à coupe ça, hein, M. Ramdin? Ben, écoutez, c'est un travailleur, une personne, quand je peux travailler, je contribue à sa plan de pension là pour qu'il, comment dire, je peux faire un savings et pour qu'il, quand je prends une retraite, je gagne un revenu qui permet de amène une vie décente. Par exemple, si je ne pas contribuer au plan pension, je vais gagner mon pension vieillesse, comme nous disons, basic retirement pension. C'est-à-dire, Ndjibun, en sus de la pension universelle, il peut gagner droit à une autre pension, c'est-à-dire ce qu'il peut contribuer quand il peut travailler. Oui, c'est ce qu'on appelle contributive pension. Alors, normalement, standard rate, il peut, et l'employeur paye 6 % et l'employé paye 3 %. Et ça, il est coupé dans ce fiche de paye. Oui. Oui. Le 3%. Le 3%, il est coupé par la part de l'employé. Et l'employeur, il y ajoute 6%. Mais c'est moi, mon cas, je dis que d'après le National Pension Act, il y a les autres taux aussi qui sont appliqués à les autres catégories. Mais en général, la grosse majorité, c'est ce qui contribue au standard rate, c'est 3%. Et 6%. Les concernent mon employé à plein temps, à temps partiel? Les concernent tout mon employé. Allez, ça, comment ça passe? Nous, qu'est-ce dans la pratique? Employeur là, employé, dit moun qui travaille là, il travaille pendant le mois, ce patron, l'employeur, il coupe ça directement de ce salaire. Après, quand il verse à l'argent là, comment il fait sa déduction là et quand il verse à l'argent? Vous connaissez,
et c'est que la loi, et Libon qui m'a précisé, la loi autorise un employeur déduire depuis sa salaire son employé sa 3%. Là. Il autorise. Et puis, il ajoute ce 6%. Et nous avons les autres contributions qu'il est besoin de faire encore. Jusqu'à décembre, le 31 décembre, ça tu peux faire au ministère de la Sécurité sociale. Mais à partir de janvier, sa cotisation-là et son return, besoin de payer et soumettre à la MRE. Oui, nous pouvons le changement un peu plus tard. Donc, j'ai envie de poser une question. Un employeur ou bien un employé qui ne pas payer sa pension, là, le plan de pension, ne pas payer. Vous connaissez, normalement, il y a une offense. Qui un employé et qui ne travaille et il paye une couverture pour une pension. Et d'ailleurs, nous trouvons que quand un dimoun paye une cotisation, c'est qu'il y a un bénéfice qu'il y gagne. Vous connaissez, bon qui m'ajoute quelques mots, qui est le ce que M. Ramdine dit, vous connaissez la retraite, la maladie, un décès, un accident, souvent, il représente un moment difficile. Et c'est là que l'État fait provision sous le Universal Pensions pour venir en aide à certaines personnes-là. Alors, chaque pension de base qui nous est là, retraite, veuve, invalide, orphelin, nous avons ce parti contributif. Ça veut dire que si un dimoun il paye, il cotise au NPF, il peut gagner une pension additionnelle. Et moi, tu peux dire tout à l'heure là, c'est que ça, ce n'est pas une option, ça. Il est obligatoire dans la loi que si un dimoun peut travailler, surtout dans le secteur privé et dans le genre de maison, qu'il est part-time, qu'il est full-time, vous êtes obligatoirement bien cotisé et à la NPF. Elle est mieux pour le patron aussi, M. Jouan. C'est-à-dire que l'employeur, même si l'employé veut dire qu'il ne coupe pas ma pension, pas coupe sa déduction-là, il met en sécurité s'il coupe la déduction, si l'employé est blessé au travail. Effectivement, et c'est une assurance. C'est une assurance si une personne est blessée au travail, c'est une assurance qui couvre à la personne, l'employé. Donc, si l'employeur n'a pas fait contribution, c'est-à-dire que l'employé n'a pas couvert par l'assurance, et l'employeur lit toute responsabilité plutôt le lit et pour encourir ban frais. Donc, c'est une assurance essentielle. C'est la raison pour laquelle il couvre à la fois l'employé, parce que quand il travaille, en cas d'accident de travail, il est bien couvert certainement, mais aussi l'employeur, parce que s'il n'est pas contribué au plan national de pension, ben, il peut avoir un problème d'après la loi définitivement. Il est sujet à une poursuite légale. Et il peut bien, à ce moment-là, encourir toute une dépense lui-même. Un demande l'objectif du plan national de pension veut dire que quand un dimoun qui peut contribuer, un des objectifs du plan, c'est que nous donnions une couverture pour un accident de travail. Et il est bon que la population connaisse, surtout un employé, qui, si vous êtes blessé d'un accident de travail, le plan national paye un industrial injury allowance pour une incapacité temporaire pour un maximum de 36 mois. Nous payons aussi un disablement pension pour une incapacité permanente. Nous payons une survivor's pension à la veuve en cas de décès contribuable d'un accident de travail. Et donc, c'est toute une beaucoup sécurité de... hein, pour un travailleur. Pas que de sa déduction de 3% qui peut faire dans le fichier de paye. Tout ça, l'avantage qu'il peut gagner avec, comment on peut dire, tous les avantages qu'il peut énumérer. Donc, finalement, beaucoup de changements à partir du 1er janvier. Pension, là, tu peux payer. L'employeur, tu peux payer pension au ministère de la Sécurité sociale. Donc, actuellement, il peut payer à la MRE. Donc, pourquoi ce changement, M. Ramdine? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce changement, qui fait la collecte de la contribution finie à la MRE. Si nous regardons bien dans le dernier business report, Maurice finit classé 10e mondialement dans Ease of Collecting Taxes. Alors, ma contribution pension, en général, dans les autres pays, il est également collecté par le Revenue Authority, par l'autorité fiscale, parce qu'il opère la même base, c'est-à-dire qu'on prend salaire du monde, on coupe 3% sur contribution pension, en l'employeur paye 6%, et si on a PAYE, on coupe sa PAYE sur la paye même, on remet tout cela en seule place au MRE. Allez, nous causons la pratique, longtemps comment ça peut passer?
Ben, longtemps, je peux bien... Oui, d'abord, allez, moi, j'ai dit. Il prend, c'est-à-dire sa personne, l'employeur là... Patron là, il vient faire deux returns. Okay. Il fait, il maintenant, tout ce monde employé, il dit, ben, là, combien de contributions de pension mon PPI? Il prend sa return là, il y a le ministère de la Sécurité sociale, il fait sur la queue, il soumet son return, il fait le paiement. Là, là, il passe, il vient au bureau MRE, il soumet un autre return pour tout ce monde employé. Il dit, bien, là, pour ça, mon employé, là, à la combien de pieds, voyez, taxe, je vais retenir, mais à la mon return, à la mon chèque. À ce là pas beaucoup comme ça. À ce là pas beaucoup comme ça. Il pour venir, il m'a refilmé un seul joint return. Il dit, un seul return, il pour mettre nom et son employé, son numéro et NID. Il pour dire, quand c'était contribution, il peut payer pour lui. Quand c'était pieds, voyez, il peut payer. Il fait un seul paiement, il soumet tout à la MRE, un seul laquais. Il y a le côté. Et actuellement, il fait online. MRE, non, je peux mettre un système online, oui, c'est-à-dire pas besoin de mettre la clé là. En plus de ça, c'est une raison, comme on dit, il y a une facilité, les moins tracasseries pour l'employeur, pour les patrons. Ouais. En plus de ça, MRE, Amina, je vous connais très bien, nous, bien connus pour le e-filing. MRE peut mettre en place un système de e-filing aussi facile qu'il nous est pour Income Tax, pour qu'il mette un employeur capable de payer les autres contributions. Alors, il y a un return qui pour une préfile, pareil comme un income tax return. Donc, entre l'ordinateur, pour une amende code, ou, password, ouais, tout ça là. On met tout IRN, Employer Registration Number, password, MRN, fini, on va les autres. Comment on prend ça? On met tout les données, première fois pour besoin fill-in. Et le ouais. Système-là pour calculer les contributions automatiques. Nous rappelons, ça concerne le patron, l'employeur, il ne concerne pas le travailleur. Non, le travailleur peine à rien pour faire là-dedans, comme dans le passé. Ben, je suis capable. Alors, nous trouvons qu'il y a un employeur, je suis capable de prendre bénéfice et connaissance de la MRE sur ma pratique dans ce qui concerne e-filing. Et aussi, pour un nouveau mode de paiement, je suis capable de faire. Et en somme, ce qui est arrivé, un employeur n'est plus pour bien marcher pour un bureau MRE ou bureau sécurité sociale pour faire paiement. Je peux avoir toute une facilité en ligne pour, via Internet et pour faire les autres returns. Là, M. Djalim, si aujourd'hui, moi, envie connaît combien de plans m'ont payé pour la pension. Un Djimoun, un travailleur, il a envie de vérifier combien il m'ont contribué. Et une bonne petite question, c'est que, bon, avant de répondre à une question, là, je précise des trois quelque chose. C'est que, les bon, qui est téléspectateur connaît, qui le ministère de la Sécurité sociale, pour toujours responsable pour la gestion du NPF et du NSF, c'est que le National Savings Fund. C'est-à-dire, c'est-à-dire la collecte par un employeur, il peut faire à la MRE, oui. Mais le paiement pension, ça, il peut toujours faire par le ministère de la Sécurité sociale. D'accord. Deuxième point, c'est que MRE peut agir comme un collecting agent pour le MSS. Tout l'argent qui est MRE pour collecter, pour retourner à la sécurité sociale. Pour gérer le fonds. Pour gérer le fonds. Et aussi, un détail qui pourrait être dans le returns concernant la cotisation de l'employé pour retourner par voie électronique, le nous servir à la sécurité sociale. Alors, ça pourrait nous donner une situation que à n'importe quel moment, nous pouvons avoir tout renseignement qui pour besoin de l'employeur et de l'employé. Et qui dit bon, qui me dit aujourd'hui, qui le paiement de banque pension reste sous la responsabilité du ministère de la Sécurité sociale. Ça veut dire qu'il me saisit l'occasion aussi pour aviser les téléspectateurs qui procédure concernant demande et paiement des banques pension reste inchangée. Tout pareil, les conseillers toujours faire une demande d'un bureau de sécurité sociale, traitement pour faire par le ministère et paiement pour faire par le ministère. Vous venez à vos questions maintenant. On veut vérifier. C'est qui, comment vous expliquer, nous pouvons toujours avoir un renseignement le tout un employé capable de venir contre nous dans nos bureaux de sécurité sociale pour gagner n'importe quel renseignement qu'ils ont besoin, les autres cotisations. Parce que, moi, prends un cas pratique, peut-être un employeur, il peut faire déduction de fiche de paye de son employé. Employé, là, pas si, c'est pas l'IP à le contribuer. Il est capable de prendre fiche de paye là, il vient vérifier dans un bureau. Nous pouvons vérifier et nous pouvons dire si il y a une cotisation, on peut faire et peut bien faire. Peut-être, Avina, je peux ajouter un petit bout là-dedans. C'est qui l'élément plus essentiel là-dedans qui l'employé bien guetté, qui sa contribution qu'il y fait là, il a un compte au bureau de sécurité sociale, compte
numéro compte là, c'est ce numéro sécurité et ID number, ce code d'identité, ce numéro. Alors, comment vous parlez pour taper ce numéro-là ou pour qui c'est une contribution et non? Alors, un employé, quand l'IPL prend travail quelque part, il est bien assuré qu'il donne ce numéro code d'identité à l'employeur pour que quand l'employeur là, il remette sa contribution là à l'AMRE, il peut mettre son nom là, tel qu'il paraît l'employé là sur code d'identité, et aussi le numéro ou assuré. Parce que l'argent là, comment dire, on peut mettre dans un compte en banque ça. Les pour retourner en haut après qu'on prend retraite. Allez, nous prenons l'autre cas pratique. Andy Moon, il peut travailler avec tout, M. Ramdin. Après licence de travail, il y a le code M. Jouan. Donc, comment ça passe? Mais normalement, quand Andy Moon peut travailler. Échange de travail. Échange de travail, c'est cotisation pour arrêter une place et pour commencer une autre place. Ça veut dire que, comment M. Ramdin expliquait, si l'employé servi un seul numéro ID qu'il y a un seul, il peut prendre à deux, veut dire qu'il peut passer sans problème si le paiement peut faire et ben le return peut soumettre. Donc justement, là, je propose qu'il nous venir là où Tiraj Van Jussouri, la directrice de la MEGSA, pour expliquer nous comment la MEGSA guette ce changement. Pour nous, la MEGSA, je tenais à rappeler qu'il nous regroupe toutes les compagnies qui exportent, manufacturiers et exportations. Alors, pour nous, et en plus, nous sommes un des plus grands employeurs dans le pays, ce qui veut dire qu'ils nous contribuent beaucoup au NPFNSF. Nous travaillons longtemps, ça veut dire que tout récemment, nous supervisons pays ou POIMRA avec ou pays ou NPFNSF à sécurité sociale, ministère de sécurité sociale. Le fait que maintenant nous ramène tout sous la MRA, comment nous en tant que MEGSA nous trouvons, nous pensons que le fait de ramener tout sous une umbrella de la MRA est une très bonne chose dans le sens qui une synergie, une standardisation de tout ban paiement. Right. Le fait qu'on amène tout sous, en plus l'électronique, pour amène deux, trois choses. Premièrement, ease of doing business. Right. La compagnie Pénapoil déplace. Il fait soit un seul chèque, ou bien il fait l'internet banking. Et ça aussi qui maintenant, il a sa possibilité de payer par internet banking, qui est très bien. Right. Surtout qu'il nous peut moderniser partout. Alors, ease of doing business dans le sens qu'il nous peut payer électroniquement et en seule place. Right? Nous n'avons pas besoin d'avoir une bonne coûte, une bonne clock déplace, mais de la quête déplace. Là, déjà, on finit éliminer une étape. Deuxième, gouvernement aussi qui peut montrer qu'il peut aller vers le digital platform. Right? Troisième, c'est un élément de contrôle. Gouvernement, pour finir, connaît à travers le fait qu'il peut centraliser tout une seule plateforme, il peut finir connaît et il peut finir d'où déjà l'infini comment se trouver qui s'en a qui employé pas employé, right? Qui s'en a qui peut payer qui s'en a pas fait payer et ça qui ramène nous un fait important, il peut donner l'impact au employment database. Gouvernement, vous connaissez le nombre de chômeurs ou le nombre de personnes qui sont employées, vous connaissez exactement which is which, right? Qui est important pour une économie, c'est l'efficience de l'économie. Donc, nous trouvons M. Ramdin, c'est une bonne nouvelle. La directrice de la MEGSA qui vient ça avec beaucoup de satisfaction, ça changement là. C'est-à-dire moins de tracasseries administratives. Bien sûr, hein, pour moins de perte de temps pour l'employeur, il prend une seule et autorité avec qui il a besoin de traiter pour, en ce qui concerne ce ban return qu'il a besoin de soumettre pour les paiements de ban contribution pension et de PAYE. Et aussi, après aussi, non, parce que quand on est contribuable, on a une vérification qui vient par derrière. Ça veut dire que de temps en temps, l'autorité vient vérifier ou ban record, c'est pas tout en règle. Mais avant, nous sommes dans des autorités. MRA vini, il pouvait venir get son fiche de paye, il pouvait être pas bien calcul taxe, il vient payer taxe correctement. Après, vous avez le ministère de la Sécurité sociale qui pour venir vérifier si pas et une bien paye contribution pour tout ban employé. Mais dorénavant,
sa vérification sur place là pour faire pas un seul du monde, l'employeur pas besoin de perdre le temps avec deux trois autorités qui viennent faire un contrôle. Donc avant nous venir avec M. Jouan, moi j'ai une autre question pour vous. Si un employeur il travaille sous contrat, lui aussi les besoins paye l'employé besoin paye le plan de pension. Vous connaissez un employé sous contrat. Dans le NPF, le NPS, le NPA, National Pension Act, dit bien faire mention que si un individu travaille pour un salaire comme un employé, qu'il ait le contrat, qu'il est permanent, qu'il est part-time, vous êtes supposé payer. Seul, si vous payez contract out un travail, les là et vous pas supposé payer bonne cotisation. Mais si il travaille sous contrat, définitivement, il vous besoin de payer sur votre cotisation. Et ça nous rappelle bien, il est obligatoire, employeur-employé, si un travailleur trouve ce patron, papa coupe sur l'argent, il est capable de le demander, il est capable de le dire, coupe ce plan, ce pension, déduire ce, pour la pension. Et nous venons avec une autre mesure positive qui finit lieu en ce début d'année, c'est le paiement du salaire minimum, M. Jouan, 8140 roupies, Mofine Diali, 9000 roupies. De revenus mensuels, voilà. Un jimoun, à peu près 9 000 roupies. Donc, nous cause le salaire minimum. C'est quoi le salaire minimum? Au fait, le salaire minimum, c'est un salaire décent qui, après décision du gouvernement, que tout le monde peut gagner, toute bonne personne qui peut travailler, peut gagner à partir du 1er janvier de cette année, donc 1er janvier de 2008. C'est-à-dire la fin janvier, là? Hein? À partir de la fin janvier, tout le monde qui peut travailler, peut gagner, parce qu'il prend effet à partir du 1er janvier. Donc, c'est quoi ça? C'est auparavant, il est bon de comprendre le système, comment il fonctionnait. Et c'était un bon en avant extraordinaire quand nous guettons l'histoire face au qu'il a payé, fixé dans le passé. Historiquement, dans les années 30-38, il y a ce qu'on appelle le Wages Council. La paix était fixée pour un établissement, une propriété sucrière. Petit à petit, il étend de quelques propriétés sucrières. Ensuite, pour différents secteurs d'activité, qui ne restent très limités. En 1974, nous gagnons le National Remuneration Board, qui ne fixait la paie pour 30 secteurs spécifiques, éventuellement, jusqu'à présent. Mais ben, paramètre pas pareil. Le salaire minimum, c'est l'objectif, c'est tiers du monde de la pauvreté et diminuer l'inégalité dans la paie. C'est un objectif totalement différent par rapport à méthode qui peut servir et au niveau du Wages Council dans les années 30 et au niveau du NRB dans les années 70 jusqu'à présent. Donc c'est un système totalement nouveau qu'il met sur pied pour qui tout le monde qui peut travailler gagne la paie qui est considérée décent. Comment calcule ça? Il y a une méthode qui calcule ça, qui donne la loi National Minimum et National Wage Consultative Council Act, il y a une méthode claire, une méthode qui nous calcule ça dans une proportion salaire médiane de l'année précédente. Donc pour l'année 2008, il calcule ça, pour l'année 2018, excuse-moi, il calcule ça dans la paie médiane de 2017. Donc il met une proportion. Actuellement, il y a un peu plus de 60% des salaires médians, qui fait qu'il arrive, nous, valeur du jour, gouvernement fixé à 8140 pour tout le monde qui peut travailler. Les bons, nous noter que, selon les statistiques bourgeoises et standards internationaux, si une personne gagne plus de 50% de salaire médian, la personne peut sauter en bas seuil de pauvreté. C'est un indicateur essentiel qui, donc, quand nous guettons comme ça, donc, dorénavant, les salaires, les plus de 50% de salaire médian qui nous permettent à peu près, valeur du jour, 120 000 travailleurs pour sauter en bas seuil de pauvreté. Donc, c'est ça qui nous rappelle un salaire décent qui est fixé à partir de 2018 qui tout le monde gagne. Mais bien entendu, il n'est pas fixe, il n'est pas statique, il peut évoluer dans le temps. Pour une deuxième révision en 2020 et ensuite, il peut révisé tous les 5 ans. Donc c'est un long processus et il n'est pas dynamique, il est dynamique et il peut évoluer dans le temps 2020 et ensuite tous les 5 ans. Actuellement, donc... Le chiffre, c'est 8140. 8140 qui tout le monde gagne, qui travaille dans le secteur gouvernemental, qui travaille dans le secteur public et qui travaille dans le corps étatique. N'importe quel Mauricien qui travaille dans le secteur n'importe privé. N'importe quel salarié. Hein, tout salarié indistinctement. Non, mon précisé, ce n'est pas quel Mauricien, c'est n'importe quel salarié. Donc, qu'il y ait un étranger qui peut travailler, un travailleur et migrant worker, comme on appelle, qui travaille dans une frange, dans construction, et bien, dans boulangerie, peu importe. Tout le monde qui peut travailler, pas pour capable de gagner moins que 8140 s'il y a un travailleur qui fait full-time. C'est ça la base. Allez, 8140, comment il a évolué, Livine? À ce moment-là, bien entendu, nous pensons à la base, c'est 8140, le salaire minimum. Ensuite, nous avons la compensation salariale qui nous votait en décembre de l'année dernière.
et le chiffre c'est 360 roupies comme compensation salariale qui tout le monde qui peut travailler bien gagner. Donc 360 roupies qui pour concerne tout travailleur sauf les travailleurs de la zone franche. Parce que dans les 8140 de salaire minimum, il inclut la compensation salariale. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième, c'est un allowance spécial qui, le gouvernement, vous donne. Les 500 roupies pour une personne qui travaille dans le secteur aux zones franches, qui fait qu'il nous prend 8140 plus 360, fait 8500. Avec les 500 roupies, il peut arriver au minimum 9000. Maintenant, pour une personne qui travaille dans la zone franche, qui gagne 8140, il peut gagner 860 roupies et d'allowance par mois, il pourra amener 9000 roupies. Donc, tout le monde, que les zones franches ou demain les autres secteurs du travail, tout le monde peut garantir un revenu mensuel de 9000 roupies. Ça devient important. C'est à ce moment-là que la MRI rentre en jeu, c'est-à-dire un Djimoun qui peut gagner 8140, qui est les zones franches ou bien les hautes zones franches, s'il n'est pas payé, il paye moins que 9000 roupies, il applique pour le point compensation au niveau de la MRI. Un special allowance. C'est un special allowance qui peut top up le salaire minimal plus extra remuneration. Et ça, MRI pour payer à un employé directement. Un petit peu pareil comme un negative income tax. Alors, nous, à la MRE, principalement, en se basant sur l'information que l'employeur, le patron pour de nous pour guetter qui salaire de base, basic salary, qui ça employé là peut gagner. S'il est en bas 9000 roupies, et nous pouvons payer la différence top-up là, pour qu'il amène sa salaire de base là à 9000 roupies. Mais, ça paiement qu'il nous peut faire là, pour un secteur et export enterprises, textiles, disons, pour maximum 860 roupies. Et dans les autres cas, dans les autres employés, pour un employé normal, pour maximum 500 roupies. Mais dire, si un du monde, ce salaire peut arriver, inclut l'extra remuneration, il peut arriver 8700, MRE pour payer 3300 roupies pour amener à 9000 roupies. Mm-hmm. S'il peut gagner 8500, MRE pour payer 500 roupies. Pour amener à 9000 euros. C'est-à-dire le travailleur, vous avez de remplir une fiche à la MRE ou tout? Non. Nous, pour base, nous, c'est un petit peu différent de negative income tax. Du point de quelque chose pour de nous sur un bank account, il vous paraît, l'argent là, MRE pour créditer dans le bank account de l'employé. Mais principalement, nous les diminuer dans la tracasserie pour l'employé aussi. Nous pouvons fier nous le renseignement que l'employeur pour de nous. C'est l'employeur qui prenant le basic salary qui ça l'employé là peut gagner. Quand il donne nous ce renseignement-là, nous pouvons effectuer le paiement-là, ça virement bancaire-là dans le compte. Personne n'a pas besoin de venir vers vous, c'est-à-dire que pour finir, Oui, nous pouvons faire l'arrangement pour nous gagner tout renseignement à travers l'employeur. Longtemps, chaque employé, tu payes pour negative income tax, ton corps peut venir individuellement. Mais non, maintenant, nous pouvons dire que tout, nous pouvons travailler avec un employeur, nous pouvons dire que faire nous gagner un renseignement qui nous besoin depuis un employé, par exemple, notre nom, notre adresse. Les autres numéros de compte en banque, comment nous gagnons tout ça là, nous pouvons effectuer le virement. Alors, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, M. Jouan, je reviens avec vous. Donc, un Djimoun, il peut à peu près gagner un salaire, un revenu mensuel de 9000 roupies, il consiste du salaire de base. Djimoun n'a pas ce overtime par rentrer là-dedans. Si Djimoun a fait overtime, plus tout ça là par rentrer. Non, c'est effectivement le salaire minimum peut venir la paye de base. OK, d'une manière générale, il y a une exception pour zone franche, nous calculons ça après. Mais d'une manière générale, le salaire minimum peut venir d'un salaire de base. C'est comme M. Ramdine a expliqué, sur les salaires de base, qui peut être un top-up là, qui peut être un ajustement là. C'est salaire de base qui peut gagner cet ajustement là, même si Djimoun a fait overtime, il n'est pas pour rentrer en jeu. Il n'est pas pour affecter le top-up. Il est totalement indépendant. C'est-à-dire que Djimoun a capable de faire overtime, il est capable de gagner un bonus de productivité, ouais. Quoi que ce soit. Qui fait les gains 8140 plus peut-être encore 1000 roupies, une façon de parler, mais ça n'est pas concerné avec cette special allowance qui est MRE payé là. Donc c'est une très bonne nouvelle pour beaucoup de Mauriciens, 8140 roupies, un revenu mensuel de 9000 roupies, mais il concerne tous les secteurs à Maurice? Il concerne tous les secteurs, tous les employés? Indistinctement, toutes les personnes qui travaillent indistinctement. Allez, nous prenons un cas full-time, pratique. Full-time, comment vous qualifiez full-time là? Bon, full-time, là, normalement, en général, c'est une personne qui travaille au moins 45 heures de temps, mais nous avons un secteur spécifique que de bonne personne, d'après la loi, de faire moins que 45, par exemple, dans les transports, dans l'école pré-primaire,
etc. Donc, nous avons un certain nombre de secteurs qui travaillent moins que 45, ou nous avons un secteur qui est un collectif agreement qui travaille moins que 45. Même l'industrie aussi, qui fait 48 ans. Donc, si la loi prévoit qu'ils travaillent moins que 45 et qu'ils sont full-time, c'est full-time. Si le collectif agreement prévoit qu'ils doivent faire moins que 45 et d'autres full-time, d'autres full-time. Allez, nous prenons un cas pratique. Là, hein. Moi, là, en dessous des bancs de secteur comme ça, si il y a du monde, il y a un restaurant, il y a un cuisinier, voilà. Deux, trois cuisiniers chez moi. Donc, combien vous avez payé les autres? Moi, j'ai habité payé les autres 5 000 roupies. Si vous pouvez habiter payé les autres 5 000 roupies à partir du 1er janvier, quand vous recevez votre argent à la fin du mois, votre business gagne au minimum 8 140. Allez. Et si, ensuite de ça, ça, c'est le salaire minimum. Vous avez gagné de 360 roupies de compensation salariale également. Et aussi, là, vous avez gagné sa top-up qui fait arriver 9 000 roupies. Donc, si M. Djalim, il y a une pharmacie qui il y a un employeur qui un employé, un travailleur. Donc, cette personne-là aussi besoin gagne 9 000 roupies. Tout à fait. Bon, prendre l'exemple, là, nous avons à peu près 21 secteurs du travail qui gouvernaient pour une rémunération odeuse, ce qu'on appelle communément un OO. Dans les 21 secteurs, nous avons différentes catégories de travailleurs qui gagnent moins que 8 140. Mais tout ça, un travailleur, là, je vais prendre l'exemple. Une personne qui travaille comme domestic worker, et ce qu'on appelle une bonne à tout faire ou une personne qui travaille dans la case. OK? Je vais prendre l'exemple, la personne qui travaille full-time, elle gagne 6 950. À la fin du mois, elle gagne 8 140, plus ce compensation salariale de 360 roupies, plus, à travers un MAE, les 500 roupies pour amener sur les 9 000 roupies. Donc, ça, c'est plutôt du bon niveau comme ça. Tout Mauricien qui travaille, tout salarié, nous dit Lien, tout salarié qui travaille à Maurice à partir de la fin de janvier, ce bizin gagne ça, 8 140 roupies de base. Oui. Et je me pose la question à Stéa, si je ne paye gagner, le patron ne paye pas ça salaire minimum là, qui arrive. Oui. Donc, il y a une provision claire dans la loi, dans le National Wage Consultative Council Act, il y a une provision, la section 22, qui concerne une offense, c'est-à-dire un non-respect de la loi. Si un employeur n'a pas respecté la loi, c'est une offense d'après la loi et le sujet à poursuite. Et cela demande ses 50 000 roupies. C'est-à-dire l'employeur, bon, travailler à la côté, aller qui faire. Alors, si le travailleur... On arrive à la fin janvier, là, on ne gagne pas. Très bonne question, très bonne question. Arrive à la fin janvier, là, le travailleur pas de gain sur la paie comme prévu par la loi. Les besoins viennent informer au niveau du ministère du Travail. Qu'est-ce que ça allait venir? Nous avons 17 bureaux régionaux dans les différents coins de l'île, plus nous avons nos bureaux central là pour lui. Donc, il y a un bureau qui est plus près avec sa localité, côté habité, il fait sa plainte pour qui, à la fois, et le bureau du travail intervenir pour qu'il gagne sur la paix correctement. Parce que c'est la loi, ça. Nous ne sommes pas capables d'en dire la loi. Mettre l'idéo, attention, patron, mettre l'idéo. Il y a une obligation légale pour payer. OK? Et il y a parfois, il y a une inspect qui c'est pas seulement à cause de salaire minimum, ça. Hein. Parfois, il y a une espèce frayeur qu'il y a un travailleur comme ça. Et bon, pas réclame ou droit. Si on réclame ou droit, on met l'idéo. Il y a une espèce frayeur, pas dans tout secteur qui est allé, parfois un allé, comment dire, et effrayer les travailleurs, mettre pression aux autres pour ne pas gagner de droit, mais un droit légal qu'ils ont besoin de gagner et nous ne pouvons pas appliquer la loi telle qu'elle. Donc le travailleur aussi, pour bien informer nous, si il y a un non-respect de la loi. Et là, il est important de donner l'information. À partir de la fin de janvier, nous mettons une stratégie. Nous avons un officier pour sur le terrain, pour faire inspection dans l'entreprise. Et dans les 21 secteurs qui vont citer, et dans un secteur qui, parfois, partie de 21, je vais donner un exemple simple, un salon de coiffeur n'est pas couvert par une rémunération order, un BPO n'est pas couvert par une rémunération order. Pour tous les secteurs, nous pouvons identifier, nous prenons à peu près 70 à 80 officiers sur le terrain à partir de la fin de janvier pour faire inspection, pour assurer que les lois du travail respectées correctement. Allez, un secteur, nous prenons un secteur informel un peu, dans un magasin. Nous trouvons beaucoup de monde, beaucoup de vendeuses, vendeurs qui travaillent dans un magasin. Vous aussi, vous êtes concernés. Vous avez besoin de gagner le salaire minimum, 8 140 roupies. Voilà. Au donnant un exemple, un attendant, par exemple, qui travaille dans un shop attendant, qui travaille dans un magasin, première année, actuellement, il gagne 7 977. OK, légalement, sur la paie légale, c'est ça qui me prescrit dans la loi. Mais à la fin de janvier, il y a 8 140, plus ces 360 roupies de compensation salariale qui est ramené à 8 500, et il y a les 500 roupies comme allowance à travers le MOE. Donc, indistinctement, il y a besoin de gagner ça. Allez, on dit allez, si travailler là, trouver, il n'y a pas gagner sa l'argent, il n'y a pas venir au ministère du Travail, il me dire qu'il n'y a pas gagner 8 140, patron n'a pas payé 8 140, peut payer moins. Donc là, nous avons cause un employé à plein temps. Qui arrive pour un employé part-time? Alors, le concept de salaire minimum, c'est un droit. Le salaire minimum, c'est un droit, donc il peut appliquer
et full-time et part-time indistinctement. Tout le monde peut bien gagner ça. Allez, une madame travaille... Voilà. Une madame travaille part-time. Donc, elle n'est pas pour faire les 195 heures de temps par mois, elle est pour faire moins, certainement. À ce moment, qui est pour gagner? Se base, si comme je vais prendre l'exemple, une bonne à tout faire, qui peut gagner 6950 sur la paye de base par mois pour le mois de travail. C'est du full-time. Il n'est pas pour gagner ce calcul pas pour faire le 6950, ce calcul pour faire le 8500. Okay? Nous pouvons les 8500, ça veut dire les 8140 de salaire minimum, plus les 360 roupies de compensation salariale qui ramènent à 8500. Dans un mois de travail, c'est 195 heures, selon la loi. Nous pouvons diviser par 195 heures, nous pouvons gagner le taux à l'heure. Nous multiplier par le nombre d'heures qu'il y travaille. S'il y travaille, par exemple, 80 heures par mois, nous multiplier par 80 heures par mois. Donc, nous pouvons gagner le salaire qu'il y besoin de gagner à la fin du mois. Mais en sus de ça, nous pouvons gagner une petite mesure compensatoire parce que le part-time, s'il y fait jusqu'à 100 heures par mois, il peut gagner le montant qu'il a besoin de gagner d'après l'heure, le nombre d'heures qu'il travaille, multiplié par 1,1. OK? Maintenant, s'il fait plus de 100 heures par mois, il peut gagner le montant toujours qu'il a besoin de gagner, multiplié par 1,07 par mois, multiplié par 1,07, voilà le montant qu'il peut gagner. Ce qui fait qu'en sus de la paie normale qu'il peut gagner, pour un petit choix plus, une mesure compensatoire d'un part-time, pour les réussir à 1,1 s'il fait jusqu'à 100 heures, 1,07 s'il y fait plus de 100 heures. Allez, nous prenons l'exemple d'une madame qui travaille bonne à tout faire, elle travaille 4 heures de temps côté du monde ou bien 6 heures de temps, lui aussi, à la fin de janvier, bien augmente sur la paye. Tout à fait. Et madame là, c'est pas trop connaît, ou bien un monsieur là qui travaille, qui pas trop connaît, vous êtes capable toujours vivre au ministère du Travail, ou bien téléphoner, ou bien... Vous êtes capable toujours, dès à présent, pas trop connaît, ou bien patron même, qui pas payé. Tout à fait, il est très important. Vous êtes capable de venir au ministère du Travail, venir prendre l'information, déjà là... Depuis ces derniers jours, nous avons un hotline, nous avons trois numéros. Allez, nous redonnez les numéros. Je vous donne tous les trois numéros. 207-26-66, 207-26-67, 207-26-68. Nous avons trois inspecteurs qui sont déjà formés sur la loi du travail, sur la loi du travail et en particulier sur l'application salaire minimum. Vous êtes disponible, vous donnez l'information à toute bonne personne, toute bonne personne qui travaille, qui peut avoir une information. Comment pour calculer le national minimum wage à la fin du mois de janvier. Donc, nous finissons de mettre ça sur place, une personne capable de téléphoner. Téléphoner, si vous avez une télévision qui vous passe combien de salaire vous gagnez à la fin du mois et qui vous touche moins que sa salaire minimum 8140 roupies, vous êtes capable de téléphoner toujours. C'est un hotline demain matin, capable de téléphoner. Non, déjà, il est déjà fonctionnel, ça. Il est déjà opérationnel, ça. L'employeur et l'employé. C'est moi, moins le patron, vous reconnaissez bien entendu, parce que l'employeur, là, il peut payer, le patron peut payer à la fin du mois. Donc, vous avez un peu clarté, comment pour calculer. Donc, ça est un service transparent pour tout le monde. Tout le monde, qui est travailleur, qui est l'employeur, tout le monde a accès à ce service-là pour demander l'information. En même temps, il est important de donner côté l'information. Nous finissons un communiqué qui est pour publier probablement dans les heures qui viennent pour expliquer un petit peu le salaire minimum et effectivement pour expliquer la nécessité de payer à la fin du mois. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous avons une brochure qui nous peut travailler, qui nous peut publier et nous avons un poster, etc. Donc, nous avons une campagne d'information que nous lançons au niveau du ministère pour qu'il y ait un petit peu plus de transparence, pour que le public au courant, le monde qui peut travailler au courant, ben, l'entreprise aussi au courant, c'est quoi le minimum wage? Et c'est quoi et qui manière nous pour calculer ça. En même temps, il y a une série de sessions de formation qui nous peut commencer à faire et pour expliquer un petit peu, voilà, pour expliquer d'abord le minimum wage, c'est quoi, comment on applique. Parce que nous, nous sommes intéressés à travers toute cette campagne d'explication et de formation là, quand applique-les correctement. Donc, une petite parenthèse, M. Ramdine, là, nous pouvons dire beaucoup de Mauriciens pour toucher un revenu mensuel de 9 000 roupies. Donc, Mauricien peut perdre, peut-être pas le payer taxe, là. Ah non. Un salarié qui paye taxe après qu'il se la paye, il dépasse 23 075 roupies. C'est où qui paye du monde actuellement là, hein? Ben, c'est la MAOI. Le rôle renversé pour ce type de salarié là. Au lieu de payer taxe, un MAOI qui paye soit à la WEN, soit négative income tax. Donc, M. Joan, nous faisons une cause. Il est obligatoire qu'un employeur, un travailleur gagne 8 140 roupies. Mais est-ce que vous ne pensez que peut-être ça peut encourager un peu du monde travail au noir? Comment cela se fait un peu à l'étranger? Patron et employeur, employé, déjà pas déclaré travailler là. Pardon. Juste pour ne pas payer le salaire minimum. Voilà. Mais seulement,
lit dans l'intérêt du travailleur qui lit prend ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Le salaire minimum, de pair avec l'allowance qui peut payer par le MRE, il faut mettre tout ça. OK? La personne, pour les réussir, gagne accès à sa salaire, à sa allowance de 500 ou de 860 roupies là, sur l'employeur pour bien payer ce plan national pension. OK? Donc, le travailleur, il a tout l'intérêt, si c'est l'employeur pour faire du travail noir, pas déclarer les pays liens qu'il a payé, OK? Mais, il n'est pas pour gagner sa 500 roupies là, ni sa 860 roupies là. Ça, il garantit qu'il peut gagner cet argent là. À condition que si l'employeur n'a pas payé ce plan national pension, le fait que maintenant le travailleur connaît qu'il en aura gagné 500 roupies ou ça 860 roupies par mois en plus de ce salaire, donc il est dans l'intérêt du travailleur, si ce patron n'a pas payé ce plan national pension, elle répond directement à la sécurité sociale. Voilà, ou MOE, pour faire connaître qui sont le patron, pas payer sa sécurité sociale. Et quand l'infini ripote, à ce moment-là, il peut gagner droit à la moins de 500 roupies ou de 860 roupies. Là. Donc, il y a une mesure qui ramène tout le secteur informel un petit peu dans le ministère de l'économie, parce qu'il peut combattre le travail noir en même temps. Yeah. Et est-ce qu'il y a un officier, tu as l'air là, il y a un officier qui peut le vérifier sur place, pour le dans le magasin, dans la boutique, effectivement, dans le restaurant. Effectivement, comme on dit, nous avons à peu près 80 officiers qui peuvent aller le terrain. Nous parlons visiter tout le secteur, nous finissons tout organiser le secteur là, qui nous considérait comme sensible, que attention, pas payer le monde là. Nous ne parlons pas dans le secteur, que le monde déjà payé 10 000, 15 000 roupies. Nous pouvons identifier dans le secteur, que déjà d'après la loi, nous pas gagné 8 000 roupies, par exemple, dans le magasin, qui est déjà couvert d'après la loi, il n'est pas gagné. Il n'y a pas plus gagné 8140, nous parlons vérifier tout ça dans le secteur, là. Y compris dans le secteur qui n'est pas couvert par la rémunération ode. Bon, revenir avec une question, M. Djali, M. Joanne Djali. Si un employeur n'y a pas pu payer plan de pension de travailleur-là, travailleur-là capable de venir au ministère de sécurité sociale ou bien à la MRE, côté vini là actuellement. Là, en principe, c'est qu'il peut bien faire une complainte à la MRE. Récemment, nous sommes toujours en discussion pour établir un protocole. Pour guetter quelle manière nous sommes capables d'harmoniser sa. Souvent, travailler là, il y a un PPR pour dénoncer le patron qui n'a pas payé le pays. Donc, il est capable juste de l'employeur là, il y a une vérification qu'il est capable de faire. Oui, ça nous capable de faire. Et mon pensée maintenant, c'est qui et c'est MRE qui pour bien et traite le sa complainte là. Il est facile. Et MRE, il y a un système de complainte le website. Que nous capables de faire dire ou faire connaître que ça n'a où été, ou bien nous capables de faire dire anonymement ou dire que tel employeur et tel endroit pas payé au père pension, pas payé faire une contribution pension, effectivement, ou pas dévoile ou non, non rien, MRE pour prendre l'affaire en main, il pourra faire une vérification pour faire dire sans qu'il puisse dire que. D'ailleurs, MRE aussi pas connu que ça n'a qui ne fait sa plainte là. Il pourra faire une vérification. Donc, capable de faire ça pour. Il est capable de faire ça sur le website MRE. Nous avons un online complaint system. Donc, tout cela se fait pour harmoniser un peu la loi du travail, mais aussi le système paiement pension, paiement pour le travailleur et pour l'employeur aussi. Yes, Aminash. Moi, j'ai envie de reprendre ce que M. Jouan peut dire. Il est dans l'intérêt de tout un chacun, tout travailleur, pour assurer qu'il paye sa contribution pension. Parce que, comment nous pouvons dire, pas juste qu'il est pour gagner une pension quand il est pour prendre sa retraite. Mais demain, s'il est blessé, comme M. Djalim, tu peux expliquer, il est pour gagner une contributive injury pension pendant 36 mois ou 36 mois. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est bénéfice? Bien sûr, vous n'avez pas fait contribuer un petit cash, comment nous pouvons dire, pendant que vous faites travail. Et les 3%, ce n'est pas beaucoup. Si demain arrive un problème, et dans sa contributive, widow's pension, ça veut dire veuve ou veuf pour gagner sa pension-là. Et même aux enfants, il ne dit pas pour gagner sa basic universal-là, mais il dit pour gagner sa contribution-là pour retourner aux mêmes enfants pendant qu'ils gagnent 18 ans, peut-être. Et au fin de il n'y a pas aucune crainte, pas pour le payer la taxe, payer loyer, parce qu'il a 23 000 qui payent la taxe. Au contraire, il donne l'intérêt tout ça à travailler, qu'on peut expliquer, pour eux veiller à ce que contribution faire et faire correctement. Donc, M. Ramjin, si nous venons avec un employé part-time, est-ce qu'ils ont aussi de payer la pension, faire déduction pension? Oui, bien sûr. Moi, je dis tout employé indistinctement. Qu'ils ont full-time, ils ont part-time, ils ont employé, bizin, coupe, ils ont contribution. Maintenant, un du monde, quand il est part-time, il est capable pour lui de travailler trois places. Mm-hmm. Tous les trois employeurs, bizin, faire une contribution comme doit être.
Hein? C'est-à-dire, le standard rate, 6 % l'employeur, 3 % l'employé, je vous besoin de payer ça dans une contribution. Vous pensez que ça problème ou bien une explication qui vous a donné, c'est surtout dans le secteur informel, dans le monde qui n'a pas trop gagné accès à l'information, qui vous a dit, explique vous qui actuellement, il y a le salaire minimum pour un employé à plein temps, mais aussi un employé à part-time. C'est-à-dire, nous avons dit tout le monde, tous les Mauriciens. Ben oui, tous les Mauriciens, je bien connais qui contribution pension, lui, dans votre intérêt, voilà. Je bien faire. Lui. Pas juste pour vous gagner ce bénéfice-là, mais MRA, il peut payer des allowances. Un, c'est qu'il nous appelle sa special allowance pour top-up. Si il paye moins que 9 000 roupies, MRA peut donner special allowance pour faire sur la paye take-home salary, 9 000 roupies. Mais il y a aussi le negative income tax qui reste en place toujours. Hein? Et ça, surtout pour mon part-time employees, je peux toujours capable de bénéficier dedans si seulement je te contribue au plan pension nationale. Si je peux faire une contribution, l'OLA, je peux entitle pour ça. Négative income tax là qui reste, je suis capable de gagner jusqu'à 1000 roupies là-bas par mois. Alors, ne pas oublier tout ça en facilité là. Et non, mais pour l'employeur de faire ce petit pas lui aussi pour lui assurer qu'il gagne tout ça en bénéfice là. Et donc, M. Joan, nous revenons avec salaire minimum. Nous finissons d'aller tout secteur, tout ban employé, tout ban travailleur. Si vous avez une information, vous venez vers où? Vous venez vers le ministère du Travail. Vers le ministère du Travail. Nous mettons une DES, un spécial DES, comme on dit à l'heure là. Et que toute une personne soit capable de téléphoner où vous venez, c'est le 6e étage Victoria House pour lui. Et vous venez, nous pourrons nous disposer pour expliquer ce que la loi prévoit, qui vous avez droit été. Et soit où vous téléphonez, je répète le numéro là, 207-26-66, 207-26-67 ou 207-26-68, nous allons nous fier pour expliquer ça. Donc, M. Djalim, quand nous revenons au plan de pension, donc nous rappelons lien, la collecte se fait à la MRA, mais le paiement de ban pension, il est toujours Njimoun, il est capable de venir à la sécurité sociale. Le paiement de tout demande, traitement et paiement de ban pension pour faire à la sécurité sociale. Mais c'est moi, je suis envie, ne précise une petite affaire, c'est que, grosso modo, à partir de janvier, c'est que ban employeur vous deal avec MRA. Mais, puisque le Industrial Injury Benefits est toujours payable par le ministère de la Sécurité sociale, je demande à un employeur qu'ils ont besoin d'envoyer à la Sécurité sociale toute notification accident qui nous appelle BIN 17 et pas envoyer à la MRA. Donc, nous rappelons, la MRA est seulement collecter l'argent de ban employeur, de ban patron. Donc, le paiement et tout le problème qui gagnait au niveau de la sécurité concernant, sociale qui concerne le travail, il vient au ministère de la Sécurité sociale. Et comme on rappelle, nous disposons tout les données, le bon employé, le bon employeur, pour nous capables de calculer ce qu'on appelle les contributory pensions. Alors, et là, c'est que nous n'avons aucun souci à faire et nous pouvons continuer à assumer son rôle concernant le paiement de pension à la sécurité sociale. Donc, il y a, si un djibouné a quitté l'information, il est capable de venir n'importe quel bureau, bureau de sécurité sociale. Il y en a plusieurs. Nous avons environ 40 bureaux à travers l'île. Prends ce qu'il y a d'identité, il est venu. Il prend ce qu'il y a d'identité, il prend tout simplement le papier nécessaire. Parfois, nous avons besoin de l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, et d'autres compte bancaire. Et je pourrais aller à la sécurité sociale, nous pour faire le nécessaire. Donc, M. Ramdine, beaucoup de travail à la MRA. Comment vous pouvez gérer tout cela? Ben oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Comment nous gagnons negative income tax, nous gagnons contribution, là nous gagnons special allowance. Mais nous ayons un système, je suis capable de dire, nous j'ai magique, c'est que nous dépendons beaucoup de nos systèmes informatiques qui fait travail là, marché. Hein? Nous servons l'informatique, comment on peut dire, où, ben, employeur pour notre paiement, je peux bien faire ma déclaration en ligne. Alors, moi, je n'ai pas aussi beaucoup de travail comme longtemps quand je peux faire un paper return pour moi faire donner. Un return qui nous pour recevoir, lit comment dire, error free, parce que ça a plat, il finit faire tout le mathématiques, il finit faire tout le vérification en amont. Quand l'employeur peut faire des returns, il finit faire vie. Et le paiement aussi, et nous pouvons expecter que très bientôt, nous prenons mesure et ferme la caisse que nous. Parce qu'il nous paye penche pour bourse, l'eau électronique, tout paiement bascule l'eau électronique. Et là, MRA amène deux nouveaux moyens. Nous avons un qui nous appelle le mobile app. Nous appelons MRA Easy.
C'est-à-dire l'ON portable. Oui. Il y a un petit software, un petit app qui vous download le portable depuis Google Play Store ou bien App Store, ou download le portable ou bien le tablette, ou servir ça pour faire des return et faire le paiement, comme on dit, pas direct debit, 10 cents coup de touche ou paiement pour aller. Ce qu'il y avait là-dedans, on prend au cash ou laisse ton compte en banque. On finit d'un MRE, un direct debit form, seulement ou bien rempli. Quand on remplit la forme là, on autorise ou la banque, quand on peut dire, ben, paye taxe ou même paye contribution, ou la banque pour honorer sa instruction là. Et sa mobile app qui me peut dire où là, l'IN qui app qui est développée pour mon petit employeur. Normalement, c'est un employeur qui est dans moins que 10 travailleurs capables de servir sa mobile app là, parce que au système, au téléphone, les petits, ou pas capable de mettre beaucoup de volume d'informations là. C'est pourquoi tout employé qui a moins que 10 employés capable de servir ça mobile à plat pour filer. Et moi, je vais dire, il y a besoin de 10 jours, si un employé, il y a un planteur, et il est dans son carreau, il est capable de s'y en papier, depuis là-bas, c'est une connexion Internet, il fait son return, il fait son paiement depuis côté le 24/7. Donc, nous rappelle le numéro de téléphone de la MRE, c'est une petite information, surtout sur le paiement de la pension et le special allowance. Normalement, hotline MRE dit toujours 207-60-10-60-N0 ou bien 207-60-85. C'est-à-dire qu'il y a une information qui demande... Je ne peux pas téléphoner le SADE hotline là et nous avons un officier qui nous forme pour capable aider tout un employeur et un employé aussi pour qu'il y ait un système que nous capable de faire pour gagner soit notre special allowance ou bien le negative income tax. Et pour terminer, M. Jouan, chaque Mauricien, à la fin de janvier, se tenait droit à 8140 roupies, un revenu mensuel de 9000 roupies. C'est un grand pas en avant pour tous les Mauriciens, tous les travailleurs, tous les salariés à Maurice. Vous pensez que c'est une grande satisfaction du côté du ministère du Travail? Non, c'est un nouveau droit qui est du monde supertane depuis un bon bout de l'état. C'est un nouveau droit et c'est une satisfaction certainement pour les travailleurs. Qu'ils ont toujours la paie augmentée drastiquement, surtout si d'une famille, il y a deux personnes qui peuvent travailler, capable de trouver une augmentation de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 roupies par mois, qui change la vie d'une famille. Donc c'est très important le salaire minimum pour améliorer les conditions de vie de 20 personnes. L'essentiel là, le fait que la décision de Philippe prend, nous tout connaît qui montant il pourrait être salaire minimum, c'est 8 140, nous tout connaît qui revenu mensuel bien été, c'est 9 000 roupies. L'essentiel maintenant, nous bien rassurer, c'est notre rôle au ministère du Travail que la loi respectée. Comme on dit, nous bénéficions pour chercher le terrain, pour satisfaire que la banque employeur peut respecter la loi. Nous avons un autre line, comme on dit, on donne trois numéros, tu as 207-26-66, 207-26-67, 207-26-68. Code banque personne, banque travailleur ou banque employeur, si vous êtes intéressé à gagner l'information, pas hésiter, téléphone-nous. De capable de venir au bureau du travail aussi, au sixième étage, de venir joindre nous disposer pour expliquer. Et nous rappelle, dans tous les secteurs, tout le monde, tout Mauricien qui travaille, c'est bien gagné ça. Indistinctement, tout le monde qui travaille, bien gagné. Qui les travaille dans magasin. Qui les Mauricien ou qui les bonnes personnes, bonnes expatriés. Qui les travaille dans magasin, dans restaurant. Bien gagné. Qui magasin, qui restaurant, qui donne boulanger, qui donne boulanger, qui les travaille dans la case du monde. Peu importe que tu travailles, tu vas gagner. Donc, mesdames, messieurs, si vous payez de télévision ce soir et que vous papez touche ça 8140 roupies, un revenu mensuel de 9000 roupies, vous capable d'aller au ministère du Travail, M. Jouan, venez rassurer nous, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui peuvent vérifier qui ban employeur, peut payer ce travailleur. Tout à fait. 8140, et puis top up par la MRE pour que Dimoun là gagne un revenu mensuel de 9000 roupies. De 9000 roupies, donc 8140, la compensation salariale, 360 roupies pour une personne qui ne travaille dans la zone franche. 500 roupies à la WENS pour sa bonne personne-là et pour une personne qui travaille dans la zone France, 8140 plus à la WENS de 860 roupies. Au final, tout le monde qui peut travailler, qui est monsieur, qui est madame, et peu importe qui secteur il travaille, qui est mauricien ou qui est un étranger qui peut travailler, besoin gagne au final 9000 roupies, au minimum. Donc, c'est le mot de la fin de M. Jouan. Mouvant ce soir, nous cause sur le salaire minimum, nous cause aussi sur le paiement de la pension qui peut faire actuellement à la MRE. Une bonne nouvelle pour les travailleurs, nous finjali. Donc, ce soir, nous tiendrons Danraj Ramdine, directeur des opérations de la MRE. Nous tiendrons Herbert Jouan,
assistant directeur au ministère du Travail, et Sahib Jolim, Principal Social Security Officer au ministère de la Sécurité sociale. Mesdames, Messieurs, Mouvance prend fin ici. Bonsoir.